Amsterdam, Hinda Debbie Itnou, qui a associé son nom et son image à la semaine de la citoyenneté, joint l'acte à la parole en procédant dans la matinée de ce mercredi à la mise en terre de trois plans. Un dans sa cour et deux autres à la devanture du palais présidentiel, suivant l'esprit de la semaine de la citoyenneté. Des gestes simples mais pleins de signification soutient la première dame Hinda Debbie Itnou qui souhaite que tous ses concitoyens fassent autant. Vous avez peut-être aussi fait ce constat aujourd'hui où est-ce qu'on en est avec la ceinture verte et puis avec tous les plans qu'on met en terre chaque année. Il n'y a pas de suivi. Donc on a décidé, on s'est dit, vaut mieux peut-être les planter chez soi, un arbre à l'intérieur et deux autres à l'extérieur. Et là, chaque personne pourra quand même s'occuper de cet arbre-là. Et le voir grandir. Et en faisant cet acte, on va vraiment rendre notre ville et notre pays vert. On va aussi reboiser la ville. Je lance un appel à tous les citoyens, qui, tchadiens comme non tchadiens, qui résident au Tchad, de faire le même acte, de planter un arbre à l'intérieur et deux arbres dehors. Et comme ça, on pourra rendre notre ville verte et on pourra changer vraiment notre quotidien. Si planter un arbre est un geste important, arroser et suivre est plus que nécessaire, d'où l'insistance de la première dame Hinda Debbie Itnou. C'est tout le sens de l'opération « Trois arbres, une maison » qui prône des bonnes manières pour protéger notre écosystème menacé aujourd'hui par les effets du changement climatique et les actions dévastatrices de l'homme.